Jonas Vital, qui se porte-parole inspection générale PNH, là, dans une rencontre avec la presse qui fait le jour qui était 8 décembre 2021. Je vous fais connaître, après enquête qui fait, il y a 70 policiers qui font partie des groupes armés qui battent tête, non, Fantôme 509. Porte-parole a continué pour dire que l'inspection générale gagne tant de 60 policiers et ça y gagne 10 nan yo qui refusaient de répondre à la question de l'inspection générale. Eh bien, les gens refusaient et n'ont pas mis pied pour répondre à la question de l'inspection générale. Dans ce sens, la police a quimbé chèque si toutefois ils n'ont pas répondu à la question de l'inspection générale. L'inspection générale garantit une fois, il y a fini de 70 policiers, ça va permettre de connaître qui responsabilité chaque grain membre groupe ça qui gagne non baptisé Fantôme 509. Et le 10 nexayo yo pas au côté ouyé t'assemble nexayo qui c'est policier qui fait partie de 509 Fantôme 10 nexayo t'a prend l'Afrique pour yo mais les yo lâche en pile pour nexayo là prend la rue nous c'est écrasé brisé c'est boule machine d'état boule machine peuple là. Ça veut dire que ça a même que l'inspection générale t'a relié, je pense que pas ta peur parce que c'est zombie négio, il n'y a pas rien pour payer encore, j'ai un deal. Mais tout le monde est clair, c'est un mal pour payer hein, parce que l'or a le boulet 10 machines. L'État, par exemple, ça veut dire l'État en général, soit pour dire là, il faut qu'il déjà répare rapide ou bien acheter 5 ou bien 8 dans la machine. Ça veut dire soit pour dire là, difficile pour joindre. Mais n'a pas vu de porte-parole, l'inspecteur général là, lui-même qui a bail détail sur la question ça. Enquête sur comportement brutal agent la police nationale là, pendant manifestation médecin yo t'a pas à poursuivre là inspectant by quelques détails côté li by garantie avant longtemps tout monde a connait ça qui passé réellement dans ça qui gain pour à dossier Fantôme 509 là IGPN achetant précisé bien environ 70 policiers qui indexé comme monde qui t'a impliqué dans mauvais acte côté déjà attendu 60 là dans yo alors c'est gain 10 qui pas jamais répondre à l'invitation ça. Aucun dossier pas dormi dans l'inspection générale de la police nationale. Parole inspecteur Vital Janet, qui c'est porte-parole IGPNH là, du dynamico Magesson Félicitain. D'abord, il y a un cas de usage excessif de la force de la part de certains policiers lors de la manifestation organisée sur l'initiative des médecins, au début des médecins qui sont blessés, et que l'inspection générale d'abord développée par le fait que lorsque il y a des gens d'activité sanitaire, il y a des gens qui sont victimes, et tout côté c'est parti du tout à médecin. Par contre, dans le travail, toujours est-il pour protéger la population contre abus que nous avons estimé les victimes de la patrouille de la police nationale d'Haïti, et une division qui a travaillé déjà ce dossier, parce que nous avons essayé de faire ce qu'il fait, pour dire qu'un critère d'adapté pour trouver les meilleurs résultats de ce qui s'est passé. Et une fois que nous avons un résultat en question, on a publié à la presse pour que nous connaissions exactement ce qui s'est passé sur le match de l'Exemple. Gagnez-nous, deuxième dossier de la pandémie, gagnez 4 jeunes garçons, d'après ça, l'information que j'ai nous, qui t'a assassiné. Mais l'allégation a fait connaître qu'il y a une implication présumée de nos policiers. Une fois que ça s'est fait, l'inspection générale saisie et il y a une commission d'enquête, c'est le droit humain, qui a travaillé sur le dossier. Et puis, par contre, ça a fait des enquêtes de droit humain. Et le temps de l'enquête, il a continué par des jusqu'à ce que nous ayons exactement ça qui passait dans le dossier. La part également du dossier 509 Fantôme, c'est un dossier qui peut occuper l'enquête de citoyens haïtiens. Et l'inspection générale, il y a une. 70 environ policiers qui ont investi dans le dossier ça en attendant 60
qui positionnait, il y a 10 là-dedans qui pas répondre à la convocation inspection générale dénoncée, et que chef de revenu dans l'inspection générale jusqu'à ce que nous capables de positionner et à ce moment-là, nous allons commencer à fixer les responsabilités à nous qui impliqués dans les actes de vandalisme qui sont identifiés comme des policiers. Nous dernier tour, assassinat de Lyon citoyen, c'était un étudiant en agronomie et la médecine vétérinaire, côté que dans le cas d'assassinat ça, il y a un policier civil qui t'a indécé, l'inspection générale déjà ouvert l'enquête, il y a un pile acte d'enquête qui fait produit de dossier ça, il y a deux conservatoires qui prennent compte des policiers jusqu'à ce que. Nous continuons à faire ça, il y a d'autres actes à faire encore, par exemple, à Grenoble, pour vérifier effectivement est-ce que le policier est impliqué dans le cas où nous avons été impliqués, sachant nous apprendre et à informer le plus grave. Dernier dossier d'Amsterdam, nous avons aussi moi personnellement et pour la grande parole du public, son dossier qui est en cours, c'est division de la campagne, voisin de capteur de l'inscription générale, nous faisons un peu absolument, après l'audition fait soumis, et nous avons seulement quelques actes justement pour nous capables de finir le dossier ça. Son façon pour même faire l'appel à nous, autour du dossier ça, on va rassurer la population que l'inspection générale par tardé sur aucun dossier, sauf que les dossiers par rapport avec complexité et nombre de monde que nous pouvons tomber là-dedans, ça va prendre un petit temps en plus. Mais tout dossier honnête à la fête, parce que l'enquête d'inspection générale, par exemple, chauvé. Déclaré sous agence nationale intelligence ANIA continue à faire un pile discussion dans mitan divers secteurs dans société à classe politique à organisation droit moun yo organisation dans société civile réseau national cap défendre droit moun yo RNDDH déjà qualifié comme un décret malachon responsable programme dans réseau à Marie Rosie Kestner Auguste du Sénat a souligné plusieurs articles dans document ça li estimé population pas doué accepté sous aucun prétexte que l'État droit moment fait qu'on exécutif la prend décision ça pour satisfaire ambition politique avec intérêt personnel. En côté, précision Marie Rosie Kestner Auguste du Sénat, nous tenons micro Réginal Rémy. L'État haïtien débloqué chaque mois un fonds pour service renseignement. Et si je dis à l'État et non un gouvernement de facto, ça ou est nécessaire pour nous gagner un organisme de renseignement qui t'a dû changer d'organiser et de traiter les renseignements, il faut que c'est l'État en tant qu'entité qui pourtant que toute institution régalienne nous mette en place. Non visa décret 25 novembre 2020 qui crie à Nia et qui paraît dans le journal. Le moniteur dans date 26 novembre 2021. Jovenel Moïse avec l'équipe Li prend le soin pour nommer des instruments interaméricains et onusiens de promotion et de protection des droits humains. Par exemple, il parlait de convention américaine relative à droit monde, pacte international relatif à droit civil et politique, pacte international relatif à droit économique, social et culturel, justement pour montrer qu'il y a violé systématiquement. Et même j'en trouve toujours dans visa à tout, c'est pas par hasard que l'équipe Jovenel Moïse, là, mettait avec Jovenel Moïse, ils ont parlé de gang armé. Parce que je l'ai déjà dit,